Alors, l'alimentation en eau de Neufchâteau, c'était en fait une eau captée d'eau de surface. En 1991, il y a eu un épisode de sécheresse où il y a eu un problème de quantité d'eau. Et puis quelques épisodes également sur un problème de qualité, notamment bactériologique. Ce qui a poussé à trouver une solution de secours avec un premier forage en 1994 et les suivants qui ont été réalisés en 1999 pour aboutir à une exploitation de ces quatre forages à partir de globalement septembre 2002 pour assurer les besoins en eau de Neufchâteau, domestiques et aussi industriels. Alors, cette eau provient en fait des eaux de différentes nappes en profondeur et les puits ont été creusés jusqu'à 231 mètres de profondeur. On a trois nappes successives qui permettent l'alimentation en eau de Neufchâteau qui globalement on puise au quotidien aux alentours de 1500 mètres cubes jour.